C'est maintenant le moment pour la période de questions. La parole à la leader de l'opposition officielle. À la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a 18 ans qu'on a établi la ceinture de verdure. La loi pour l'établissement de la ceinture de verdure protège plus de 2 millions d'hectares contre l'exploitation. C'est quelque chose de laquelle les Ontariens sont très fiers. Aujourd'hui, le Premier ministre s'attaque à la ceinture de verdure. Nous ne savons pas qui savait en avance quels étaient ses plans, qui étaient les personnes qui ont venu bénéficier de ces idées. Est-ce que le Premier ministre va approcher sa décision de s'attaquer à la ceinture de verdure? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le Premier ministre a déjà répondu à cette question, tel que le ministre des Affaires municipaux et du logement. Ce que nous savons, c'est que la ceinture de verdure, ce que nous voulons faire avec les parties que nous voulons prendre de la ceinture de verdure, va permettre de régler le problème de logement. Il va y avoir plus de 350 000 personnes qui vont venir, qui vont arriver à l'Ontario chaque année. C'est la taille d'une ville telle que la ville de Markham. Cela va permettre la prospérité de l'Ontario pour faire en sorte que ces personnes puissent avoir le même rêve que des générations des autres personnes qui ont venu aider à bâtir cette province. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des maisons, des hôpitaux, des services. C'est pour cela que nous sommes en train de construire une meilleure province. Et pour ce faire, nous devons nous servir des ressources pour que tout le monde puisse participer du rêve de la province du gouvernement, de la province de l'Ontario sous ce gouvernement. Question complémentaire. Encore une fois, je reviens au Premier ministre. Tout d'abord, je pense que tout le monde dans cette Assemblée et dans cette province savent que s'attaquer à la ceinture de verdure n'a rien à voir avec la solution du problème de la crise du logement. Monsieur le Président, tout le monde, indépendamment d'où il se trouve dans cette province, s'inquiète de cela. Et je peux vous dire, parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes partout dans cette province, il ne prend pas beaucoup de temps à écouter que vraiment les personnes ont des problèmes pour avoir accès au système de santé, à l'éducation. Le gouvernement ne semble pas s'inquiéter. Le gouvernement décide d'investir les dollars des fonds de prévoyance à ses amis. Comment est-ce que les personnes, les commettants peuvent leur faire confiance si le budget de l'année dernière ne les a même pas touchés? Réponse, le ministre des Finances. Pour répondre à la chef de l'opposition officielle, quand je réfléchis et je pense au moment dans lequel j'ai devenu partie du gouvernement il y a 15 ans, on avait un chiffre d'investissement sans précédent. C'était un moment dans lequel les NDP appuyaient le gouvernement libéraux. Plutôt, pas d'investissement, mais de dette. Donc, Monsieur le Président, est-ce que la dette qui a été empruntée a été investie dans la construction de plus de transports, plus de hôpitaux, plus de systèmes de santé? Non. Monsieur le Président, où est-ce que les personnes vont habiter? Les personnes doivent habiter dans des maisons. C'est pour cela que ce gouvernement est en train d'agir. Complémentaire final. Monsieur le Président, ça c'est quelque chose de typique. Ce gouvernement dit, quand les personnes ont besoin, la seule chose qu'elles reçoivent, c'est de la rhétorique. Dans le monde réel, les personnes sont déjà fatiguées de cette rhétorique. Ce qui est clair, c'est que rien n'est normal dans cette province. Les services et l'appui pour renforcer les communautés ont été endommagés ou se trouvent au bout du collapse. Maintenant, le ministre de Finances leur demande de se préparer pour plus de restreintes dans ce budget. Vraiment, je voudrais bien écouter la réponse du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va dire aux Ontariens quels sont les services qui vont être restreints dans ce budget? Réponse du ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent d'être
dans cette chambre parce que j'apprends des différentes définitions, des différentes paroles. Par exemple, la définition de rhétorique. Réfléchissons. Par exemple, quand nous avons dépensé le budget il y a un an, ce budget comprenait le soulagement des impôts parce que nous comprenions que le coût de tout augmentait. Ce budget comprenait doubler les impôts des crédits, les crédits d'impôt plutôt. Cela comprenait des autres choses parce que nous ne nous sommes pas arrêtés là. Dans l'énoncé économique de l'automne, nous avons annoncé une augmentation de 5% pour les PESPH, une augmentation qui était au-delà du taux de l'inflation pour la première fois pendant des années. Nous avons multiplié par deux l'appui pour nos aînés et nous avons continué à enlever les impôts aux carburants pendant une année. La parole à la chef de l'opposition. Je ne sais vraiment pas, Monsieur le Président, dans quel univers parallèle ce ministre habite-t-il. Mais s'il pense que l'Ontario aujourd'hui se trouve mieux qu'il y a 4 ans, je ne comprends pas. Encore une fois, pour le Premier ministre, pendant les consultations prébudgétaires, les députés ont écouté des idées qui feraient vraiment une différence pour les Ontariens. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un médecin de famille dans cette province. Le Collège des médecins de famille dit que l'Ontario pourrait bien ajouter plus de 1 000 nouveaux médecins pour prendre soin de plus de 2 millions de nouveaux patients en travaillant tout simplement 19 heures par semaine de travail administratif. Est-ce que ce gouvernement va inclure ces 19 heures dans le budget? La parole est à la députée de Eglinton-Lawrence et sous-ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement écoute et tient en considération toujours des bonnes idées qui nous sont présentées. Tel que je l'ai dit hier, l'Ontario mène le pays en ce qui concerne fournir des soins de santé. Mais nous savons que nous devons plus faire. Nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire, y comprenant l'addition de plus de 270 médecins. Et nous prenons les pas nécessaires pour faire en sorte que nous aurons des médecins de famille pour tous les Ontariens. Complémentaire. Sur quelle planète, Monsieur le Président, il y a 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille? Le comité, Monsieur le Président, a écouté la proposition pour la création d'un centre de santé communautaire à Peterborough. C'est une proposition simple pour faire en sorte que les commettants reçoivent les soins nécessaires pour garder les emplois, continuer à se concentrer sur leurs études, passer plus de temps en famille, pour qu'ils puissent avoir accès à un système de santé exhaustif. C'est une priorité pour les Ontariens, c'est une priorité pour ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement va donner le financement nécessaire pour la création de centres de santé communautaire de Peterborough? Ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre, merci, Monsieur le Président. Dans l'année 2018, quand je suis arrivée au gouvernement de l'Ontario, le système de santé publique était brisé, abîmé. Dès l'année 2018, nous avons reçu plus de 6 000 nouvelles infirmières, 8 000 nouveaux docteurs. Et ça, Monsieur le Président, l'année dernière, nous avons ajouté plus de 12 000 infirmières praticiennes prêtes à travailler. Et Monsieur le Président, le Collège d'université entraîne plus de 30 000 nouvelles infirmières pour qu'elles se joignent à la force de travail. Nous faisons des investissements records pour bâtir des nouveaux hôpitaux partout dans cette province. Nous renforçons l'infrastructure et nous faisons en sorte d'avoir la meilleure structure du système de santé publique en Amérique du Nord, Monsieur le Président. Question complémentaire. Vous savez pourquoi il n'y a pas de médecins de couloir? Parce que les hôpitaux sont fermés. Si on a des listes d'attente énormes, les hôpitaux doivent fermer. Le comité a écouté de la communauté qui servait Owen Sound Community, de centre de santé qui servait Owen Sound Community. Ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui travaille plus qu'à temps partiel.
Ils ont plus de 800 personnes dans leur liste d'attente. Ça mène à un temps d'attente de 4 mois. 45 % de leurs patients diabétiques n'ont pas vu un docteur en 2 ans. Ils font le travail. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'une augmentation de moitié de docteurs à 2. Est-ce que ce gouvernement va financer les services de santé pour les communautés autochtones, y comprenant ce centre, dans votre prochain budget? La parole à la députée de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition pour sa question. Notre gouvernement travaille de façon collaborative avec nos partenaires des communautés autochtones et des communautés du Nord pour faire en sorte qu'ils aient accès aux soins de santé. Nous savons qu'il Nous devons mettre en place des programmes pour ce faire avec la collaboration de ces communautés pour combler de façon effective leurs besoins. C'est pour cela que nous avons fait des investissements de plus de 41 millions de dollars dans des organisations des communautés autochtones pour assurer leur traitement. Et notre gouvernement a été clair, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les plus vulnérables, ce qui comprend les communautés autochtones de l'Ontario. La prochaine question, la députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Finances. Nous avons passé des consultations. Nous avons fait des consultations en voyageant partout dans l'Ontario. Est-ce que le ministre a écouté les besoins pour élargir les soins des santé mentale et de toxicomanie? Couramment, la RAMO, l'assurance santé, ne couvre pas l'accès à des médicaments plutôt pour les traitements du cancer pour prendre chez soi. Cela rend très difficile la bataille contre le cancer. Est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose dans ce budget et se rendra-t-il fiscalement responsable et couvrira-t-il ces médications contre le cancer dans ce budget? La réponse pour le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et à la députée d'en face pour sa question. La semaine dernière, j'ai souligné que le 23 de mars, on va déposer le budget. Je lui rappelle plutôt à la députée d'en face de faire attention le 23. Elle va voir les investissements que nous allons faire partout dans la province, Monsieur le Président. C'est un bon moment pour souligner un point très important, quelque chose qui est arrivé la semaine dernière, en mardi. Sous le leadership du Premier ministre et de la sous-Premier ministre, l'Ontario a été la première province de l'Ontario à signer l'entente de soins. Parce que les personnes ne veulent pas de la rhétorique. Ils veulent un meilleur système de santé, meilleur accès à la santé. Intervention du président, question complémentaire, le député de London. Encore une fois, pour le ministre des Finances, j'ai eu la chance de voyager partout dans la province pendant les consultations prébudgétaires, des consultations de comité, faire des investissements dans des différents domaines du système de santé va réduire les temps d'attente. Par exemple, une organisation des soins diabétiques a dit que la RAMO ne couvre pas des médicaments. Si on les couvrait, on arriverait à économiser des millions de dollars dans les soins qu'on doit prendre des personnes qui ne reçoivent pas ces médications. Quand est-ce qu'on va couvrir les dépistages de la maladie cœliaque sous la RAMO? Réponse. Je crois que le député d'en face reconnaît que nous avons voyagé partout dans la province, pas seulement avec le comité des finances duquel ils font partie, mais aussi pendant les consultations. Nous avons voyagé vraiment partout à l'Ontario. Savez-vous qu'est-ce que nous avons écouté?
Monsieur le Président, nous avons écouté que nos investissements pour bâtir l'Ontario sont appuyés. Les commettants nous disent « Continuez, allez-y ». Ce gouvernement écoute les commettants. Et c'est pour cela que la plupart d'entre nous, nous nous trouvons de ce côté. Parce que nous écoutons les Ontariens, nous savons ce qu'ils ont besoin et nous allons le faire. La parole à la députée de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, la création d'emplois et le commerce. Mississauga reçoit différentes industries qui emploient des 1 000 d'Ontariens. Nous savons que Mississauga doit demeurer compétitif pour continuer à attirer ses investissements. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut fournir une mise à jour sur ce que notre gouvernement est en train de faire pour continuer à entraîner les personnes? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Hier, le Premier ministre Ford a reçu le dernier investissement de AstraZeneca. Ils ont annoncé un lieu de recherche et développement au Canada, à Mississauga. Cela va créer plus de 500 nouveaux postes bien payés à l'Ontario. Cela va augmenter la compétitivité et leadership de l'Ontario dans le système des sciences. Monsieur le Président, l'Ontario attire des investissements records en plus de 3 milliards de dollars en sciences pendant les dernières 2 années. Maintenant, nous avons plus de 70 000 nouveaux employés dans le domaine des sciences. C'est le résultat de la réduction du fardeau administratif dans un montant de 7 milliards de dollars. C'est cela ce que nous faisons pour attirer des investissements. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et au ministre pour sa réponse. La prospérité économique de Mississauga a rendu possible ces investissements si importants. Au-delà de cela, la prospérité des innovations dans le système de santé, c'est le résultat de la foi que les compagnies à niveau global ont à l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait-il parler dans un peu plus de détails sur ce que notre gouvernement est en train de faire autant que chef de file mondial en ce qui concerne l'innovation? Réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est important de reconnaître que des années des politiques des gouvernements précédents ont éloigné les investissements et qui nous ont laissés sans la capacité de faire des innovations. C'est pour cela que nous avons lancé la stratégie pour reprendre la science, cela qui comprend un fonds de 50 millions de dollars et un engagement pour attirer plus investissement de plus de 100 millions de dollars pendant les prochaines années. Ce que nous avons reçu hier démontre que nous sommes vraiment au-delà de l'objectif que nous nous avons mis. L'Ontario fait tout pour attirer plus d'investissements. Monsieur le Président, c'est comme ça qu'on a des trouvailles médicales. La parole à la députée de Ottawa-Wesnipian. Pendant les consultations prébudgétaires à Ottawa, nous avons écouté du conseil scolaire par rapport à leurs besoins des étudiants ontariens, particulièrement en ce qui concerne combler les objectifs de la loi pour les Ontariens qui habitent avec des handicaps et la difficulté pour faire face à cette date limite. Cette loi assure un accès aux services d'éducation. Est-ce que le gouvernement va donner cet accès pendant ce budget? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Nous sommes convaincus
de que nous devons continuer à bâtir plus d'écoles à l'intérieur. C'est pour cela que le gouvernement a alloué plus de 14 milliards de dollars pendant les prochaines années pour aider à la construction des écoles modernes interconnectées avec des systèmes de ventilation à l'intérieur. Cet investissement va nous aider à continuer plus de 100 projets capitaux. Et il y en a encore plus. La vérificatrice générale a commandé ce progrès. Elle a appuyé pour assurer que les écoles demeurent opérationnelles pour que les enfants puissent rester aux écoles. Nous faisons des investissements de plus en plus importants chaque année dans les budgets, chaque année. Les investissements de 3,2 milliards de dollars, ce qui est à un équivalent de 90 millions de dollars plus que l'année dernière. Nous sommes ici pour les enfants. Question complémentaire. Pourquoi est-ce que les écoles qui existent déjà ne sont pas accessibles? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les élèves aient accès au système de santé mentale, au service de santé mentale? Malheureusement, une de chaque 10 écoles, c'est la seule qui a accès à ces services. Faire en sorte que les élèves aient les appuis nécessaires pour avoir du succès, c'est une priorité pour les Ontariens. Est-ce que c'est une priorité pour ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement va-t-il inclure cela dans le budget? Le ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie. Excellente question, Monsieur le Président. Les enfants et les jeunes présentent des données démographiques différentes. Cela nous aide à dessiner les investissements que nous avons faits. Avec le ministère de l'Éducation, nous avons fait un investissement additionnel de 31 milliards de dollars. Ces investissements dans la communauté nous permettent d'innover les façons de traiter les enfants et mettre en place des nouveaux moyens pour leur donner accès à plus de services. Nous avons investi plus de 3,5 millions de dollars pour d'accès, 2,1 millions de dollars pour augmenter la ventilation. Ce sont des dollars qui ont été investis dans 22 centres partout dans la province. Et Monsieur le Président, nous allons continuer à faire des investissements parce que nous, en tant que gouvernement, nous sommes plus préparés qu'aucun autre gouvernement pour ce faire. Prochaine question, député de Niagara-Ouest. Le gouvernement travaille à rester responsable sur le plan fiscal. Il est important de démontrer le leadership en réduisant la bureaucratie et en stimulant l'économie et en démontrant le respect aux contribuables. Notre gouvernement doit continuer à faire tout ce qui est nécessaire pour rester responsable sur le plan fiscal, surtout dans un temps de défi économique global. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les actions qui ont été adoptées par le gouvernement afin d'assurer que l'argent des contribuables est bien dépensé? Réponse, ministre des Infrastructures. Merci pour la question. La population de l'Ontario s'attend à ce que nous soyons responsables de leurs argent. C'est la raison pour laquelle hier, j'ai présenté le projet de loi 69 pour réduire les inefficacités que, si elle est adoptée, va permettre d'améliorer la gestion des biens immobiliers afin de réduire la bureaucratie et gérer le plan fiscal de la province. Nous avons des portefeuilles complexes en Ontario et nous voulons adopter des approches beaucoup plus holistiques pour gérer les biens immobiliers des entités. Dans le cadre de ce projet de loi, un cadre sera introduit afin de changer cela pour être géré seulement par mon ministère. Nous avons une responsabilité d'être prudents en ce qui a trait aux actifs immobiliers du gouvernement. J'espère que les députés de l'opposition vont appuyer ce projet de loi complémentaire. Je remercie la ministre d'avoir partagé l'importance de son travail qui a été déposé dans ce projet de loi. Nous savons que lorsque nous avons pris le pouvoir, auparavant, l'argent des contribuables n'était pas respecté. Il y a eu plus d'obstacles, plus de retards en la mise en œuvre de politiques et d'infrastructures. Mais en tant que gouvernement, nous investissons
afin de bâtir l'infrastructure dans les communautés qui, afin de s'assurer que ces projets sont finis. Nous nous assurons que les infrastructures peuvent répondre aux besoins de la communauté, des commettants, et respectent ce qui est important à la communauté. Est-ce qu'elle peut nous expliquer davantage comment ce projet de loi va s'assurer que les infrastructures et ces projets peuvent être terminés beaucoup plus rapide et efficace? Ministre des Infrastructures. Merci pour la question. Nous développons des changements pratiques pour répondre à la supervision environnementale, pour réduire les retards des projets. Ces projets, comme les routes municipales, doivent être assujettis à des évaluations de 30 jours d'attente. Ce temps d'attente peut provoquer des retards qui sont inefficaces pour les contribuables et les municipalités. Grâce au projet de loi de 2023 sur la réduction des inefficacités, va moderniser plus de 50 ans de processus environnemental qui est fastidieux, onéreux. Et Monsieur le Président, nous vivons dans un temps où les coûts continuent à augmenter. Il faut être responsable, intelligent. Il faut faire tout ce qui est nécessaire afin de continuer à bâtir cette province. Merci. Prochaine question, député de Kewetinon. Miigwech, Monsieur le Président. Au Premier ministre, dans les consultations prébudgétaires à Red Lake, une question a été posée au gouvernement, encore une fois, pour des financements afin de bâtir un nouveau centre à but multiple, un centre communautaire. Une demande qui a été demandée pendant plus de 10 ans. Cette région génère plus de 400 millions de dollars à l'économie en seulement des milliers d'habitants. Les résidents ont besoin de ce gouvernement et de leur soutien afin de commencer la mise en chantier. Est-ce qu'il y aura du financement pour la construction de ce centre multifonctionnel dans le budget de cette année? Réponse. Merci pour la question. La réponse est oui. La réponse a toujours été oui pendant quelques temps. J'ai parlé au maire de Red Lake à maintes reprises et nous sommes prêts au nord à aider le nord de l'Ontario, comme nous l'avons démontré à travers la province, des investissements dans les infrastructures pour améliorer la qualité de vie pour les familles qui ne font qu'habiter dans ces non seulement qu'habiter dans ces zones, mais qui desservent dans ces communautés, surtout durant l'hiver, et d'avoir accès à ces routes. Nous avons déposé ces offres au maire de Red Lake. Nous sommes prêts à l'appuyer et à appuyer la mise en œuvre des politiques afin que ça s'applique dans les critères de ce fonds qui est disponible. Que ce soit dans le secteur minier à travers l'Ontario, nous faisons ce qui est nécessaire. Complémentaire? Monsieur le Président, la réponse est évidemment non, parce qu'il y a des limites dans ce cadre. Ce centre multifonctionnel polyvalent est nécessaire pour les résidents et va aider à la croissance de cette communauté. Pendant que plusieurs personnes visitent Red Lake, viennent à Red Lake pour travailler dans le secteur minier, ils retournent avec l'argent qu'ils ont gagné au sud. Cette zone fait face à des difficultés pour attirer des travailleurs pour appuyer notre population, incluant les travailleurs de la santé. Les centres récréationnels et communautaires sont importants pour les familles lorsqu'ils décident là où ils doivent résider, et c'est la raison pour laquelle ce centre est important pour l'avenir de Red Lake. Encore une fois, je sais que la réponse est oui, mais il y a quand même un non quelque part. Est-ce que le gouvernement va s'engager d'offrir des financements stables dans le budget pour la réalisation de ce projet? Ministre du Développement du Nord, la réponse permanente est que nous sommes prêts à les appuyer. Dans ce fonds, il est possible de l'utiliser à travers les communautés en Ontario pour exploiter ces financements locaux, exploiter le secteur privé, ces financements dans le secteur minier, local, ainsi que le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Plusieurs projets à grande échelle sont coordonnés avec le gouvernement fédéral. Le
Je sais que c'est facile à le faire. Le maire est au courant de cela. Nous sommes prêts à l'appuyer, ainsi que sa collectivité, en construisant cette infrastructure importante. Il y a plusieurs exemples à travers l'Ontario où cela a réussi. Nous allons continuer à investir dans la qualité de vie pour les communautés à travers le nord de l'Ontario. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais dire que c'est un plaisir de revenir ici. J'ai regardé la période des questions. Hier, il y a eu des accusations, l'espionnage, qui ont été débattues, qui ont été mentionnées. Nous avons besoin de seulement des données. En 2018, il a été démontré dans une vidéo que le premier ministre était attrapé à dire à ses amis qu'il allait utiliser les terres dans la ceinture de verdure. Et aujourd'hui, il a ouvert les vannes de cette ceinture de verdure. Il va les accorder comme cadeau. Quelle promesse est-ce qu'il va garder? Les promesses à ses amis ou envers la population de l'Ontario? Pourquoi est-ce que le premier ministre a brisé sa promesse à la population de l'Ontario? Réponse, le premier ministre. En premier lieu, je veux remercier le leader, la chef de l'opposition officielle, parce que vous avez changé 17 fois. Qui est-ce que vous soutenez lorsque vous changez les normes 17 fois? Nous allons construire les 1,5 milliard de logements. Il y aura des logements. Il y aura des logements abordables pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à ces services afin de s'assurer que cela est fait. Non. Les libéraux l'ont changé 17 fois et ils ont été appuyés par les néo-démocrates. Complémentaire. Beaucoup trop de gens qui ont bénéficié de la décision du premier ministre d'ouvrir les vannes de la ceinture de verdure, ce sont ses amis. Il l'a déclaré. De plus, il y a eu une levée de fonds privés dans son logement qui a bénéficié à un membre de sa famille, aux promoteurs, aux lobbyistes. Ceux qui ont des affaires avec le gouvernement provincial ont été invités. Ils ont fait des donations de milliers de dollars pour bénéficier à un membre de sa famille. Le premier ministre a déclaré qu'il y avait des billets de 150 dollars. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, en fait, les gars, ils ont pris cela à charge. Je ne sais pas c'est qui ces gars, mais est-ce qu'il peut finalement admettre que c'était un conflit d'intérêts et de nous dire la liste des promoteurs qui ont des affaires avec le gouvernement qui ont été invités à cet événement? Intervention du président, arrêtez la pendule. Je vais vous rappeler que cela va contre les règles de prêter des intentions et de vous... je vous préviens de ne pas faire des attaques personnelles. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. C'est un parti qui, 25% de leur groupe parlementaire, a voulu appuyer à ce que le leader du Parti vert puisse devenir leur chef, leur responsable. Et si vous voulez des données, je vais vous en offrir. Sous les libéraux, 300 000 emplois ont disparu. En ce qui a trait à la fabrication de pointes, ça a été détérioré. Les taux d'hydroélectricité ont monté en flèche. Ils ont dû décider s'ils pouvaient réchauffer leur logement ou se nourrir. Des écoles fermées. Sous les libéraux, les soins de santé ont été brisés. Les transports, il y a eu plusieurs arrêts. Et grâce à nous, tout reprend la norme. Intervention du président, arrêtez la pendule.
s'il vous plaît. On va démarrer la pendule. Prochaine question, député de Mississauga-Streetville. Merci, Monsieur le Président. Les autoroutes, les routes et les infrastructures essentielles sont essentielles pour assurer notre économie robuste et productive. Malheureusement, sous les libéraux, l'Ontario et le système de transport a été négligé, surtout dans les zones de croissance à Mississauga-Streetville. La 401 est l'autoroute la plus achalandée et la plus congestée. Plus de 180 automobiles passent sur cette autoroute de ma circonscription. Il faut adopter des actions aujourd'hui afin de s'assurer qu'il y a moins d'embouteillages et beaucoup plus convenable pour la population, afin de s'assurer que les familles peuvent se rendre là où ils ont besoin de le faire. Alors, travaillons ensemble pour construire des infrastructures essentielles pour garder notre économie forte et en prospérité. Est-ce que le ministre associé des Transports peut partager avec nous des mesures que nous adoptons afin d'améliorer le réseau des transports en commun? Réponse. Mes beaux-parents habitent dans cette circonscription et ils me disent que la députée de cette circonscription a accompli un travail fantastique. Avant la période des fêtes, nous avons annoncé que nous avons terminé l'expansion de l'autoroute 401 à 18 km, de nouveaux espaces, nouvelles lignes qui sont ouvertes. Et pour vous donner plus de données, nous avons utilisé ces 6 lignes et doublé cette quantité pour ajouter jusqu'à 10 à 12 lignes, 12 à 10 voies de préférence. Et cela va changer la donne pour les automobilistes, qui va aider à lutter contre l'embouteillage et permettre un déplacement plus facile. Cela démontre que, contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, notre gouvernement construit l'Ontario et accomplit ce qui est nécessaire pour les conducteurs. Complémentaire, merci au ministre associé des Transports pour la réponse. J'utilise cette route pour me rendre au travail et cela a vraiment changé la donne. En construisant les infrastructures essentielles, cela doit être une priorité pour notre gouvernement. Les routes, les autoroutes et les infrastructures critiques nous permettent d'accélérer le déplacement des biens et des produits à travers la province et aussi permet aux familles de se rendre dans leur domicile beaucoup plus rapidement pour rejoindre leurs enfants. Cela coûte plus de 11 milliards de dollars à l'économie ontarienne par année. Est-ce que le ministre associé des Transports peut nous expliquer davantage comment est-ce que le gouvernement va respecter notre groupe, mais en ce qui a trait à l'amélioration des autoroutes? Encore une fois, vous avez la parole, Monsieur le ministre. La députée a raison. Après 15 ans d'inaction du Parti néo-démocrate et des libéraux, notre système n'était pas adéquat. Et en ce qui a trait à l'autoroute 11 et 18, il y avait plusieurs conflits. Et cependant, nous avons pu construire l'autoroute 13 et d'autres autoroutes efficacement. En 2012 et 2013, durant l'exercice financier, nous avons déverser des milliards de dollars pour construire l'autoroute dans le sud de l'Ontario. Ces infrastructures essentielles et ces mises à niveau vont permettre de créer plus de 15 000 emplois dans cette zone, tout en interconnectant la province comme jamais vu auparavant. La population dépend de cela et grâce à notre leadership de M. Ford, nous allons construire les infrastructures et l'économie ontarienne. C'est exactement ce que nous allons faire. Merci. Prochaine question. Député de Windsor-West. Ma question s'adresse au premier ministre. Durant les consultations pré-budgétaires à Windsor, nous avons eu l'opportunité d'écouter les préoccupations en ce qui a trait au centre de refuge pour les femmes qui fuient la violence domestique. Ces refuges ont été sous-financés et ils demandent une stabilité dans leur financement pour se concentrer dans leur travail communautaire au lieu de faire des levées de fonds ou de supplier, d'implorer le gouvernement pour des financements financements et des subventions. Est-ce que le gouvernement va finalement briser ce cycle de violence contre les femmes en finançant des organismes comme AIRES dans leur budget?
ministre, ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, la violence genrée, la violence domestique et la traite des personnes est très évident durant la pandémie. Il est essentiel de s'assurer que ceux qui sont victimes d'exploitation reçoivent les soins nécessaires pendant que les contrevenants sont tenus responsables dans le système judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans des services communautaires pour appuyer les femmes et en leur autonomie. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté des projets de loi pour éliminer cette violence contre les femmes. Aucune femme ne devrait être assujettie à des violences et notre gouvernement travaille afin de prévenir la violence contre les femmes et appuyer ces femmes pour s'enfuir et d'investir dans des programmes nécessaires pour éliminer la violence genrée. Complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Merci au premier ministre. Les défenseurs pour les survivants de violences domestiques ont partagé leur voix durant les consultations prébudgétaires, les mêmes demandes et requêtes. Ontario a besoin d'un plan en termes de logement pour ces survivants de violences domestiques. Ces refuges sont en surcapacité et les femmes doivent rester beaucoup plus longtemps dans ces centres de refuge parce qu'ils n'ont pas accès à des logements adéquats. Le gouvernement conservateur n'a pas un plan spécifique. Cela doit représenter une priorité pour la province. Est-ce que les survivants de violences genrées domestiques est une priorité pour ce gouvernement? Est-ce que le gouvernement conservateur va offrir des logements adéquats et des financements adéquats à long terme pour ces centres de refuge pour le logement abordable, les transports transitionnels dans le budget de cette année, dans ce budget précisément? Réponse. Ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, nos pensées aux victimes et aux amis qui ont été impactés par l'événement à Renfrew, nous comprenons l'importance de l'élimination de la violence genrée. Nous avons des programmes, des mesures législatives qui ont été adoptées, des investissements, ce qui est permanent est en cours. La pandémie a eu un effet sur les plus vulnérables de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à faire d'augmenter l'accès au logement abordable et sain, afin que les personnes qui font face à des problèmes d'itinérance peuvent avoir accès à des logements. Nous avons investi des milliards de dollars en soutien au programme transitionnel pour appuyer ces survivants de la traite des personnes et de violences domestiques et pour que ces personnes puissent devenir autonomes. C'est notre gouvernement qui investit afin d'aider ces survivants pour trouver du logement et de maintenir leur logement pour atteindre leur indépendance. Nous avons des services englobants pour les thérapies, l'éducation judiciaire, juridique de préférence et d'autres services. Merci beaucoup. Prochaine question. Député d'Alderman Northall. Problème technique. Au ministre des Affaires autochtones, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'occupation dans ma circonscription. 17 ans plus tard, deux gouvernements plus tard, rien n'a changé. Il n'y a eu aucun leadership en termes des relations avec les Autochtones et les affaires importantes. Le 10 février, il y a un projet qui a été annoncé sur les territoires à Alderman County, au comté d'Alderman. Aucune personne, aucun député n'a adressé les personnes autochtones et n'a invité aucune personne. Le ministre était présent dans ce groupe et on l'a demandé qui est-ce qu'il a consulté dans ce projet. Le ministre n'a même pas répondu à cette question et donc aujourd'hui je veux la poser par votre entremise, Monsieur le Président. Pouvez-vous répondre à cette question? Ministre des Affaires autochtones. Je veux remercier la députée pour la question. Je veux remercier mon collègue qui fait partie de ce projet excitant dans le secteur de l'énergie qui est tellement important, sa participation et la participation autochtone en ce qui a trait au développement économique. Nous avons vu cela dans le secteur de l'énergie en travaillant avec les communautés autochtones. Nous allons continuer sur cette voie pour appuyer ce projet, mais d'autres occasions. Par exemple, au nord de l'Ontario, ils vont continuer à exister de préférence. Surtout parce que nous sommes tenus de
d'avoir des consultations avec les six grandes nations. Nous avons accompli beaucoup de... Nous avons beaucoup accompli avec les maires et nos priorités continuent à avancer vers l'avant, ce qui a trait au projet, que ça soit fait avec un consentement et sur la concentration des intérêts des communautés complémentaires. Merci. Je suis déçue de cette réponse parce que la question n'a pas été répondue. Le chef de six grandes nations a été clair qu'il croit que ce gouvernement qui a été élu, que les consultations sont importantes de les entretenir. Ils ne sont pas sûrs des règles et le ministre refuse d'être clair et d'avoir des politiques cohérentes en termes de représentation de ces six grandes nations. Il y a eu des questions qui ont été posées en ce qui a trait à la clarification et la Couronne a une tenue de consulter la population et cela a été passé aux municipalités. Les municipalités ont été dit qu'ils doivent contacter les autochtones. Mais est-ce que le ministre peut nous dire exactement qui est-ce qu'il faut consulter dans les six grandes nations? Réponse. Nous travaillons avec les élus des six grandes nations et nous allons offrir ces clarifications et ces certitudes. Si la députée comprend vraiment ce dynamisme et les différents niveaux du gouvernement, cela serait clair que ce qui est plus important pour la province, c'est de travailler avec ceux qui ont été élus, les conseillers de six grandes nations. Et comme le chef l'a demandé exclusivement, d'avoir plusieurs de ces enjeux, ces opportunités soient débattues au niveau communautaire. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons tenu des rencontres avec les maires de Hamilton, Renfrew et d'autres. Ils ont été très encouragés par nos politiques qui a du respect, un consentement, une collaboration, un désir de continuer à avancer vers l'avant. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Thunder Bay de Cochin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Les opportunités au Nord sont énormes et nous entendons plusieurs demandes quotidiennes. Nous apprécions la valeur de ces zones au Nord et ces investissements vont continuer à appuyer la qualité de vie et promouvoir le développement économique dans nos collectivités. Il y a beaucoup à faire pour continuer à bâtir sur ces réussites. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que le gouvernement va stimuler l'économie et la croissance pour les résidents dans le nord de l'Ontario? Ministre du Développement du Nord, ministre des Affaires autochtones. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous travaillons avec le groupe parlementaire du nord de l'Ontario, avec mon collègue de Thunder Bay, Atikokan, afin de s'assurer que nos collectivités peuvent répondre aux opportunités nombreuses dans cette grande région. L'acier, la fabrication d'acier, le secteur minier, la foresterie, tous ces secteurs dans le nord de l'Ontario sont des exemples. Afin de continuer à investir dans des entreprises, dans les communautés autochtones, grâce à des programmes de subvention, d'aide culturelle, investissement dans la recherche, dans les entreprises, leur croissance et leur expansion, leur déplacement dans le nord de l'Ontario pour répondre aux besoins, aux demandes de la chaîne d'approvisionnement et d'autres. Nous sommes prêts et nous allons continuer à répondre aux opportunités dans le nord. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour cette réponse. C'est très réassurant de voir que le gouvernement est engagé pour appuyer les travailleurs dans le nord de l'Ontario. Plusieurs histoires réussies ont été partagées en ce qui a trait au fonds de coopération dans le nord. Ces communautés sont uniques, non seulement sur le plan géographique, mais aussi ils ont des besoins
spécifique en ce qui a trait à l'infrastructure, chaîne d'approvisionnement et de soutien aux entreprises. Notre gouvernement doit continuer à investir dans des initiatives qui offrent des solutions pratiques pour améliorer la vie des individus, des personnes, des familles dans ces zones rurales. Est-ce que le ministre peut expliquer davantage comment est-ce que les investissements du gouvernement dans ce fonds vont appuyer les collectivités dans le Nord? Merci. Greenstone, c'est un emplacement important qui va devenir le centre important en ce qui a trait à l'acier. Nous avons vu des opportunités dans le cercle de feu, des corridors pour appuyer l'énergie, pour exploiter des avantages sanitaires, sociaux et d'autres. Greenstone fait face à une grande croissance grâce à plusieurs mines disponibles et à des besoins importants pour appuyer le développement économique dans ces communautés. C'est la raison pour laquelle j'ai visité ces endroits. J'ai parlé au maire et annoncé l'amélioration de services en termes de capacité commerciale et industrielle. Rénovant leur terrain de golf et d'autres terrains importants, nous répondons aux opportunités au nord de l'Ontario. Prochaine question, député de Timmins-Cochrane. Durant la consultation prébudgétaire à Timmins, nous avons entendu de l'Association des bibliothèques publiques dans cette circonscription et des services qu'ils offrent, comme l'accès à l'Internet pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer pour ces services. Dans ma circonscription, les taux d'itinérance sont les plus élevés comparément au restant de la province. L'impression et des documents pour les demandes d'emploi, des services essentiels. Les bibliothèques égalisent les chances à travers l'histoire et aussi dans l'avenir. Les municipalités également font face à des défis en ce qui a trait à l'équilibre de leur budget, mais ces bibliothèques sont énormément importantes. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que les bibliothécaires vont recevoir des financements directs et stables dans ce budget? Madame la ministre des Infrastructures, merci aux députés pour cette question. C'est une question à laquelle nous nous sommes attaqués avec un investissement de 4 milliards de dollars. Je suis d'accord avec le député, il est absolument essentiel afin que chaque Ontarien puisse être relié à un Internet de haut débit, quel que soit le lieu de résidence. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral avec un partenariat de 3,2 milliards de dollars. Monsieur le Président, nous mettons toutes nos forces maintenant à relier la communauté et nous atteindrons cet objectif. Député de Spadina, Fort York, merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'accès aux informations est essentiel pour la réussite des entreprises et pour les étudiants et pour les résidents. Et pourtant, il y a une grande inégalité dont nous ont parlé les bibliothèques. Les bibliothèques dans les grandes villes peuvent se permettre d'acheter des permis, mais les communautés reculées en milieu rural n'en ont pas les moyens. Ça veut dire que en milieu rural, ils ne peuvent pas avoir des vidéos et d'autres ressources en ligne à la disposition de résidents des grandes villes. Dans ce budget, est-ce que votre gouvernement va investir dans la bibliothèque numérique de l'Ontario afin que les Ontariens de toute la province jouissent d'un accès équitable à ces ressources absolument essentielles? Leader parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis très enthousiasmé. Les démocrates veulent faire des investissements. Voici ce que j'en pense. Ils ont beaucoup parlé des investissements qu'ils voudraient faire, mais quand nous faisons les investissements historiquement, depuis 2018, ils votent contre à chaque fois. Lorsque nous investissons plus d'argent dans les arts et la culture, ils ont voté contre 4 milliards dans les infrastructures, ils ont voté contre. Bien entendu, il faut faire davantage pour s'assurer que toutes les régions de la province aient accès aux informations afin de continuer à
à développer l'économie. Ce ne sont pas seulement les 18 milliards de dollars du ministère à ma droite qui ramènent des investissements de la province. C'est aussi grâce aux investissements que nous faisons dans les petites localités afin de permettre aux PME dont il a parlé puissent participer à cette croissance remarquable que nous observons au long et au large de la province. C'est pour cela qu'il y a création de milliers d'emplois. Bienvenue au Club des partisans des investissements. Nouvelle question, député de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux services au public, aux entreprises. Sous l'ancien gouvernement libéral, des accès aux services vitaux, permis de conduire, acte de naissance et j'en passe, n'étaient pas fournis de manière commode et en temps opportun. Donc, les listes d'attente étaient chaque fois plus longues. Dans ma circonscription, comme dans de nombreuses circonscriptions de la province, il faut parfois se déplacer à des kilomètres et des kilomètres pour se rendre au bureau de services Ontario. Il faut faire preuve de plus de respect vis-à-vis de nos familles en offrant des services pour mieux servir la population. L'accès en ligne est privilégié par de nombreuses personnes. Et il faut agir sur ce front. Que fait le gouvernement en la matière pour améliorer l'offre des services en ligne? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue de Hastings, Lennox et Addington pour sa question et pour tout le travail remarquable qu'il a fait dans sa circonscription. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais remercier le personnel de services Ontario dans toute la province pour leur excellent travail. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer en personne depuis que j'ai été nommé ministre. Je vois le travail excellent qu'il fait en offrant ses services aux Ontariens. Je remercie ces travailleurs de première ligne. Ce gouvernement a lancé de nouvelles initiatives, de nouvelles options pour améliorer les services pour tous les Ontariens en personne, mais aussi en ligne. Je suis ravi d'informer les députés de la Chambre que les Ontariens peuvent actuellement utiliser un nouveau système de réservation de rendez-vous dans bon nombre des bureaux les plus achalandés. Merci au ministre pour cette information sur les nouveaux services. Mes commettants s'attendent de plus en plus à ce que les services soient fournis en ligne. C'est très commode. En milieu rural, c'est absolument vital, d'ailleurs. Il faut garder le cap. Il faut pour permettre aux Ontariens de réserver leur rendez-vous sur l'appareil numérique de leur choix. Nous ne pouvons pas être un gouvernement hors ligne dans un monde en ligne. Vous avez dit que notre gouvernement soutient la modernisation pour améliorer l'offre des services. Est-ce que le ministre veut bien nous dire plus sur la manière dont cette nouvelle annonce va faciliter la vie pour les Ontariens? Merci aux députés pour la question. Ce gouvernement priorise l'accès pour les Ontariens en leur donnant plus de choix pour accéder aux services essentiels. Nous utilisons les données et nous utilisons de nouvelles technologies pour concevoir des programmes qui nous permettent de réduire les formalités administratives. Ceux qui le souhaitent peuvent maintenant identifier les besoins en accessibilité avant les rendez-vous. Cela fait partie de notre mandat pour veiller à ce que les services soient accessibles et disponibles pour tous et toutes les Ontariennes. Ce n'est que le début. Nous rajoutons chaque jour de nouveaux services dirigés par notre gouvernement, par notre Premier ministre. Nous sommes des chefs de file en matière de l'innovation en ligne. Les Ontariens peuvent réserver plusieurs services lors d'un seul rendez-vous ou lors d'un seul rendez-vous. Nouvelle question, député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Lors des consultations prébudgétaires, l'Association des soutiens communautaires nous a
parler des décisions difficiles que ce gouvernement leur impose. Ils envisagent une réduction des transports de 36 % donc de 200 000 courses aux rendez-vous médicaux et pour accéder aux services. En Seychelles, une réduction de 35 % de repas à domicile. 640 000 repas ne seront pas livrés à domicile. Ces services vitaux sont essentiels pour les Ontariens, mais pas pour ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que les programmes obtiennent tout le financement dont ils ont besoin dans le nouveau budget? Madame la ministre, nous savons que les effets économiques de la pandémie impactent les gens. Il faut sortir des gens de la pauvreté. C'est pour cela que nous travaillons dans tous les ministères pour améliorer la vie des gens. Avec l'impact de la COVID, nous avons lancé la stratégie des micro-titres et aussi la feuille de route au bien-être sur 10 ans pour les soutiens à la santé mentale. $1 million pour la création de nouvelles places en garderie. Aussi des investissements pour la prestation pour enfants. $90 million pour les soins dentaires pour les aînés à faible revenu. Un crédit d'impôt qui donne à 300 000 familles 75 % de leurs dépenses en garderie. Aussi, crédit d'impôt pour les familles à faible revenu, crédit d'impôt pour l'emploi, crédit d'impôt pour l'impôt foncier. Pardon. Nous avons augmenté les taux du programme de prestation de soutien aux personnes handicapées. Et j'en passe. Question complémentaire. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce serait bien si le Premier ministre répondait au lieu de s'inscrire dans le programme de protection des ministres, retirer. Lors des consultations budgétaires à Ottawa, nous avons entendu de la part du Centre de soins communautaires de Centertown, le gouvernement leur demande de faire plus avec moins. Ils vont devoir couper un ou deux effectifs. Des milliers de patients n'auront plus accès aux services. Le Centre communautaire de santé de Centertown joue un rôle absolument essentiel. Est-ce que le gouvernement s'assurera de ne pas sabrer dans leur budget? Réponse. À l'ordre. Voilà qui termine la période de questions. Pause jusqu'à 15 heures. Bon appétit.